Alors c'est parti pour cette vidéo de présentation de mon cher filtre British Birkfield. Je sais toujours pas si j'arrive à le prononcer. C'est pas grave, ce sera écrit quelque part. Comment se compose ce filtre? Il se compose première cavité, voilà, d'un premier réservoir, on va dire. Un réservoir muni de son chapeau dans lequel se trouve, oh là, j'en fous partout, c'est parti. Deux filtres de la marque British Birkfield, voilà, c'est leur propre filtre. Je ne me suis pas amusé à adapter, à mélanger les marques. On peut en adapter 4. Il y a deux. En tout cas, pour ce modèle-là, il y a encore deux emplacements disponibles pour mettre d'autres filtres. Plus on met de filtres, plus ça accélère la filtration, tout simplement. J'aurais dû prévoir un torchon parce qu'il va y en avoir partout. C'est pas grave, je ferai ça à la fin. Et oh, on a investi dans cette chaîne. Bon, ensuite, sous ce réservoir, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le réservoir final, dans lequel tombe l'eau qui est filtrée. Voilà, un réservoir tout bête. Pas grand-chose à voir, c'est creux tout ça. Il n'y a plus rien à part les deux filtres. Voilà, muni de son caoutchouc antidérapant très efficace, qui empêche vraiment de bouger. J'ai l'impression d'être dans un téléachat, là. On va arrêter ça tout de suite. Et de son petit robinet. Alors le mien, il est en métal. Pourquoi? Je vous l'ai dit dans l'unboxing. Robinet qui est livré est en plastique. Il fait le job, mais il a l'air franchement pas hyper solide. Et puis voilà, moi je préfère boire à travers du métal. C'est plus classe, c'est plus dommage que ce soit pas prévu directement par la marque, à la vente. Tant pis, c'est pas grave. Le petit chapeau. Et j'ai toujours... Dès maintenant, vous faire une démonstration. Vous avez vu en introduction de cette vidéo que je suis allé puiser de l'eau dans le puits qui est à même pas 5 mètres de ma porte d'entrée, là, de ma maison, qui se trouve dans ce seau. Voilà, j'ai trouvé ce super seau à cochon, là, ou je sais pas quoi. Bon, c'est parti. Donc, il a une contenance de 6 litres. Pour ce modèle-ci, voilà. Il m'en reste même un petit peu au fond de mon seau. Voilà, la filtration est lancée, c'est parti. Alors elle est assez longue, il y aura de toute façon des sources dans cette vidéo, moi je sais plus, j'ai pas tous les chiffres en tête. J'ai mal fait le boulot, j'ai mal révisé, bon je sais plus la vitesse de, bon c'est long, voilà, vous remplissez, demain matin c'est bon, on sera vidé. Donc voilà, il faut une nuit, il faut une nuit. Donc comment fonctionne un filtre à gravité? C'est tout con, comme vous venez de voir, j'ai mis l'eau dans le premier réservoir en haut, l'eau va passer à travers des filtres qui sont en charbon actif et en céramique. Et une fois qu'elle est passée, hop, tous les petits résidus, les bactéries, virus, tout reste dans le filtre, qui a une durée de vie limitée, bien sûr. Je ne sais pas si ça se nettoie, si ça se relance, je ne crois pas, il faut repartir sur du neuf. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pensé, mais c'est vrai que l'eau de mon puits est assez propre. Il est conseillé de filtrer l'eau dans un premier temps avec un petit ami, un truc, un chinois ou un truc de base, pour soulager les filtres, quoi, qu'ils n'aient pas à filtrer une feuille morte ou des conneries, pour éviter, pour la longévité de nos filtres. Mais franchement, mon eau, elle est nickel, je suis sûr que je pourrais la boire comme ça. Je ne le fais pas parce qu'on ne sait jamais s'il y a un rat crevé ou quoi. C'est quand même le but de ces filtres, c'est de complètement se décharger, de plus avoir peur, c'est bon, tu mets n'importe quoi dedans, c'est potable, le job il est fait. Vous n'avez pas confiance en l'eau du robinet, vous voulez, voilà, c'est la merde, il n'y a plus d'eau qui sort du robinet, il faut boire, vous prenez de l'eau de pluie, une flaque d'eau, un puits, c'est bon, c'est parti. Donc voilà, j'ai pas filtré, mais c'est pas grave, mon eau est nickel, et une fois que l'eau s'écoule, elle se retrouve dans le réservoir en bas, et puis vous tournez le robinet, et puis ça va sortir. J'ai pas prévu là, vous faire une petite démo. Allez, on fait les choses bien, on va prendre un petit gobelet, vous me permettez. Donc voilà, petite démonstration. Bon, j'ai pas du tout la place pour, mais voilà. Hop. Elle est délicieuse. Elle est délicieuse, on apprécie, on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'eau de mon puits, alors que je suis assez difficile en eau. Moi, j'arrive à différencier. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent et qui ne différencient pas, mais moi, j'arrive à différencier le goût des eaux. Vous voyez, c'est efficace. Maintenant qu'il est rempli, j'ai du mal à bouger. Hop. Il y a de l'eau partout. J'ai l'impression que ça fuit, mais je crois pas. Je pense que c'est moi qui en ai foutu partout. Bon, à votre santé. Donc oui, moi j'arrive à... J'aime pas l'eau du robinet, je sens tout de suite le chlore et tout. Ici, elle est meilleure qu'en région parisienne, faut le dire quand même, l'eau du robinet ici. Mais cette eau-là est imbattable. Moi, je suis assez adepte des eaux en bouteille. J'aime beaucoup le goût de l'évian, par exemple. Je sais, c'est pas bien, le plastique, tout ça. Mais bon, quand on n'a pas le choix, quand on a que ça, quand on a un bébé, excusez-moi, mais... On fait attention à l'eau qu'on utilise et à tout ce qu'on mange, à tout ce qu'on met dans notre corps. Donc. Mais je suis très content que l'eau de mon puits me plaise. Et... Elle n'a pas un goût de boue, rien du tout, tout va bien.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, le petit versus, le petit combat. Pourquoi je suis parti sur ce modèle-là, British Birkenfeld, et pas le Birkenfeld que vous connaissez sûrement plus. Le prix, tout simplement. Je vous l'ai dit, celui-là, je l'ai eu à 156 euros. Sur eBay, je vous mets les liens en description. Par des boutiques plus classiques, il y a 209 euros celui-ci. Le Birkenfeld est un peu plus cher, il faut le dire. Je vais vous mettre tous les chiffres. J'ai vraiment pas les trucs en tête. C'est vraiment pas en plus ce qu'il y a de plus intéressant. Donc voilà, en dehors du prix, qu'est-ce qui est plus intéressant avec ce filtre? Je vous l'ai dit dans ma vidéo d'unboxing que je vous invite à voir. Je ne vais pas en faire tout l'historique, mais en gros, ce filtre a une histoire. La famille Doulton qui l'a mis au point sous une commande de la reine d'Angleterre. Donc voilà. Et c'est eux qui sont à l'origine de ce système de filtration-là, qui ensuite s'est exporté aux États-Unis sous la marque Birkenfeld. Et voilà, ça a donné deux entités. Donc c'est très dur d'avoir des infos. Je vais vous mettre quelques liens en description qui montrent un peu les différences entre les deux filtres. Il y a des pages en anglais. Donc au-delà du prix, apparemment, le système de filtration est meilleur. Je vais vous mettre des petites photos. Et encore une fois, il y a tout en description si vous voulez creuser. Peut-être que j'ai raté des trucs que j'ai pas tout à fait compris. Donc, apparemment, ceux-là sont mieux. Je vous mets des photos des différences. C'est très dur d'avoir des infos. Alors, le Birkenfeld, le filtre, il a l'air d'être simplement en charbon actif, creux à l'intérieur. J'ai trouvé qu'une photo de la coupe. D'ailleurs, la personne qui l'a posté a dit que pareil, elle avait jamais vu ça. Elle a vu ça dans un salon. Il y a quelqu'un qui avait fait une coupe dans un filtre, et donc on voyait enfin l'intérieur. Donc c'est creux, c'est épais comme ça, et c'est juste, voilà, allez, 2 cm de charbon actif. Dans ceci, je vais vous montrer aussi des coupes. Alors c'est des dessins seulement, je crois, que j'ai trouvé. On voit qu'à l'intérieur, ils sont complètement pleins. À l'intérieur, c'est du charbon actif recouvert de céramique. Donc on est sur deux technologies, deux techniques pour filtrer l'eau. Donc plus intéressant. Les filtres sont moins chers. Donc tout est moins cher et pour apparemment un meilleur système de filtration, de ce que j'ai entendu, des vidéos, des témoignages, des interviews que j'ai vues sur YouTube, c'est le seul système qui a toutes les normes. Voilà. Et apparemment c'est celui qui est vraiment utilisé par l'armée, par les associations sur le terrain, parce que c'est le seul qui a vraiment toutes les certifs, toutes les recommandations et qui garantit la meilleure eau, donc avec plus d'études à l'appui et tout. Moi, je suis pas allé vraiment tout creuser, tout éplucher. Je fais confiance à ce que j'ai vu. C'est posé là. Je vous invite à regarder en commentaire. Moi, je suis juste là pour vous dire un peu ma démarche. Pourquoi je suis parti sur ce produit-là? On va pas faire une super longue vidéo. Je vais pas vous faire un comparatif. J'ai pas les deux. J'ai pas testé sur des mois et tout. Donc voilà, on a à peu près fait le tour du système. Je sais pas quoi vous dire de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Mettez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous. Et mettez la petite cloche si vous voulez ne rien rater sur cette chaîne. Que vous dire de plus? L'eau de mon puits est délicieuse grâce à cet appareil. Je peux la boire en toute confiance. Malgré la présence de rats ou de pigeons morts, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Tout est possible. Mon eau est délicieuse, elle est très bonne. Et voilà, donc ce système-là. Ah oui, n'oubliez pas, ne partez pas. J'ai oublié de vous parler. C'est un abonné qui m'a envoyé sa vidéo. Il s'est fabriqué son propre système. Donc si vous voulez être encore plus économique, si vous ne voulez pas dépenser 156 euros dans un filtre comme celui-ci, vous les fabriquer vous-même. Il suffit d'acheter les filtres 35 balles et après vous les adaptez. Vous vous amusez, après c'est le fruit de votre imagination, vous pouvez prendre deux seaux, vous voyez la gueule du truc, c'est exactement ça, vous faites des trous dans votre seau, là c'est bon. Donc des seaux à 10 euros comme ça, 10-15 euros, qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a qui font des filtres avec du plastique, des seaux en plastique, bon, pour le design, la robustesse, peut-être même la qualité, c'est pas ouf, mais bon, on peut prendre des seaux alimentaires, pareil, faire des trous, un petit robinet, le petit robinet en métal là c'est 10 euros même pas. C'est parti, d'ailleurs avec ce robinet-là, je pourrais m'amuser à en fabriquer un de secours avec des seaux en plastique. Voilà, me faire un filtre tout en plastique, hyper léger. Et notre ami, là, abonné, il m'a partagé sa vidéo, elle est super, allez voir sa chaîne, allez voir sa vidéo. Il a pris tout simplement, merde, comment ça s'appelle? Un pergolateur, percorateur, j'en sais rien, je sais pas comment ça se dit, ma femme va encore se moquer de moi. Un truc à café, là, qui chauffe le café. Il en a récupéré deux. Par une boîte qui fait de la location de matériel de mariage, tout ça, qui en avait deux dont la résistance était pétée. Il a récupéré ça, il a pris une casserole, un fait tout, deux trous, les filtres, pouf, c'est terminé. Chocolat, s'il te plaît, j'ai pas fini mes vidéos, tu te tais. À moins que vraiment c'est l'apocalypse, c'est quelque chose à signaler, mais ici on est tranquille, il se passe jamais rien, donc je vois pas où est le problème. T'as dû voir un truc, sentir un truc. Voilà, il y a moyen vraiment de se démerder. Moi, je vous invite, si vous voulez vous faire plaisir, vous avez les moyens, vous en foutez, prenez un Birkenfeld, ils ont de la gueule. Moi, je vous conseille ceux-là, voilà, qui sont moins chers et apparemment plus performants. Et si vraiment vous êtes en galère,
et vous ne voulez pas dépenser plus d'une centaine d'euros dans un filtre, et ben vous pouvez vous les fabriquer vous-même. C'est pas merveilleux ça? Donc il y a des tutos, il y a des vidéos qui se trouvent sur internet. Amusez-vous, des petits coups de perceuse, vous achetez juste les filtres et puis c'est parti. Donc voilà, bah évidemment je vous donnerai des nouvelles, je vous dirai quand est-ce que, quand j'aurai besoin de changer mes filtres. Bon, c'est dans longtemps, hein. J'ai mis la date, voilà, la date à laquelle j'ai mis les premiers filtres, 19 novembre 2019, et on va voir jusqu'où ils nous tiennent, jusqu'où il y a besoin de les changer. Donc pareil, ce sera dans les sources, mais le Berquet, voilà, quand on compare les deux filtres, le Berquet apparemment filtre l'eau plus rapidement. Et bah justement, c'est parce qu'il est moins efficace. Voilà, donc l'eau passe plus rapidement. Moi, je préfère mentalement me dire que l'eau reste plus longtemps dans le filtre, c'est que c'est plus efficace. Donc apparemment les chiffres de Berquet seraient un peu abusés, un peu olé olé, un peu voilà, un peu gonflés par rapport au British qui, ok, sur le papier le filtre a l'air moins performant, moins rapide et tout, mais tout simplement parce qu'ils sont plus proches de la réalité et que Berquet s'enflamme. Voilà, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai lu. Je vous invite à faire votre petite enquête si vous voulez creuser le truc, si vous me faites confiance. Moi, je pars sur ce modèle-là et je vous mets les liens en description. Je touche rien, hein, c'est pas un partenariat ou je ne sais quoi. C'est juste le, voilà, mes petites astuces, le bon plan où vous avez, voilà, le choix Berquet, British Berquet Field, ou alors vous fabriquez vous-même. Allez, la vidéo est assez longue, je pense. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt sur cette chaîne.